Mais quel copain difficile à ce qui se livre à la pêche artisanale à pli d'affronter la mer ces derniers jours. Des vagues rapides et d'une rare violence arrivent au niveau de la côte, à une hauteur inhabituelle. À divers points des plages, on peut apprécier la furie des eaux. C'était mardi, l'eau a commencé à monter. Subitement, donc, il y a eu une première vague. J'ai été alerté de la maison, je suis venu ici à 4h du matin. J'essaie de voir, l'eau s'est calmée. En journée, ça a repris très 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 fort. Jusqu'à ce que ça a cassé la devanture que vous voyez là. L'eau s'est limitée ici à donc au bar. Et toutes les choses qui étaient là sont montées vers les restaurants et autres. Mais nous voyons la fondation de la réception qui a été touchée. Oui, mais ça c'est les bars. C'est les bars qui a été touché, mais pas les restaurants. C'est parce que sur les réseaux sociaux, donc, ils ont dit que l'eau est allée jusque dans les chambres. C'est ce qu'on a entendu. Mais l'eau s'est limitée juste à la plage, là où il y a les, quoi ça, le bar. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure ? C'est de refaire encore la fondation en question. C'est pourquoi vous avez vu les moellons qui sont là et l'ingénieur est en train de regarder comment protéger pour que les années à venir, ça ne casse pas. On a levé tout pour prévenir. C'était juste pour prévenir, pour que ça ne déborde pas. Cette année, vraiment, c'est un peu, ça a fait plus de dégâts. Il y avait des clients qui ont eu tellement de chocs, qui ont libéré pour rien. Donc, ça dit qu'ils ont eu peur, quoi. Donc, par rapport à l'intensité de la vague, parce que vraiment, c'était vraiment une tempête vraiment très grave. Ici, à l'hôtel Tara Plage, on n'a pas eu de dégâts. Juste l'eau et terre dans tout l'hôtel, on n'a pas eu de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'un maître nageur fait quand il y a des situations comme ça? Il ne peut rien faire. Juste regarder, il ne peut rien faire. Parce qu'avec la vague haute, on ne peut rien faire. Juste mobiliser des clients, des touristes, quand vous venez, de ne pas toucher l'eau. Parce qu'il n'est pas tellement évident que un touriste vienne nager à la période d'août. C'est pas bon. Lorsque la mer est trop agitée, les dangers qui nous guettent, c'est ça, il y a d'abord, ça creuse d'abord toute la côte, puis ça remplit la rivière jusqu'à menacer l'hôtel. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? On est en train d'ouvrir pour évacuer l'eau qui empêche à l'hôtel de fonctionner. Comme vous voyez, nous sommes en train d'ouvrir cette rivière pour qu'elle puisse mieux passer, pour que l'eau ne stagne plus. Parce qu'en cette période, nous avons une marée qui est tellement haute. Tellement n'est pas, c'est pas tellement évident. Il faudrait que à chaque fois, on passe cette rivière pour que l'eau puisse circuler. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. En fin de semaine dernière, le préfet de l'océan est descendu sur le terrain pour une meilleure appréciation de la situation. Nous sommes arrivés donc ce matin pour constater, évaluer et rendre compte à la haute hiérarchie. Mais déjà, je voudrais dire que de manière permanente, nous avons prescrit la lutte contre l'occupation des plages à travers des constructions en matériaux définitifs. Parce que nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, les constructions se rapprochent de la mer. C'est vrai, la mer avance. Elle avance tous les jours. Mais pour pouvoir prévenir certains accidents, certains cas de destruction, nous avons interdit l'occupation de l'emprise maritime qui est de 150 mètres par des constructions en matériaux définitifs. Mais malheureusement, nous constatons que certains occupants des emprises maritimes ne respectent pas cette interdiction. Et lorsque nous enregistrons de montées de vagues comme c'est le cas actuellement, malheureusement, nous déplorons certains dégâts matériels importants. À ce qui paraît, le phénomène visiblement naturel est bien connu par les promoteurs du tourisme et les pêcheurs. Il est, dit-on, saisonnier. Nous, donc, on connaît ces phénomènes. En 76-17,
il y a eu le premier phénomène. La même chose, en l'an 2003, quand ça a commencé, on a dégagé tout du bar. Quelques temps après, les années sont passées, c'est revenu encore à normal. En l'an 2013, la même chose, on a fait la même chose. En l'an 2023, ça s'est répété encore. Donc c'est un phénomène qu'on connaît depuis, qu'on maîtrise surtout. Il y a la bonne saison et la mauvaise saison. Bon, la mauvaise saison, c'est à partir de mai, ça entre à partir de mai jusqu'à août. Après août là, c'est la bonne saison qui commence. Bon, nous ici, nous sommes là habitués à ça. Bon, quand il y a la mauvaise saison, on fait traverser d'autres pureaux et des fois on met d'autres pureaux en haut des racines là. Le préfet de l'océan et sa délégation ne se sont pas limités à faire le constat. Au vu des impacts et de l'ampleur des dégâts matériels, des mesures conservatoires ont été prises afin d'éviter des surprises désagréables. Le phénomène n'étant pas totalement sous contrôle. Bon, nous voulons déjà la première chose conseiller, sensibiliser les populations riveraines ainsi que les touristes qui arrivent à Kribi d'éviter de se baigner ces jours-ci. Parce que comme vous l'avez vu le constater, la vague elle est très déferlante. Et donc le risque de noyade est assez élevé. C'est pour cela donc que nous invitons tous nos touristes, toutes nos populations riveraines, à s'abstenir de se baigner à la mer ces jours-ci. Monsieur Tambo, oui. On va faire une mise en place. Ok. Oui. C'est pas une interdiction sur la définitive, mais elle est temporaire, liée à l'actualité, à la montée des eaux. Donc pour le moment, là, on peut dire que la baignade elle est interdite sur nos plages jusqu'à ce que la mer retrouve son calme. Il y a des sanctions, monsieur le préfet? Ah oui, toutes les personnes qui seront prises en train de se baigner à la mer en ces périodes vont être interpellées et entendues quand même pour qu'elles ne reviennent plus. On n'a pas imaginé des sanctions pénales, mais c'est des sanctions administratives allant dans le sens de la prévention. Entre nous, soyons réalistes. Toi, un être humain, tu vois l'état de la mer et tu te permets d'aller dans l'eau. Nous ici, là, nous les Kribiens, quand nous on voit ça, nous on ne se baigne pas. Nous allons continuer aussi à inviter nos populations à arrêter d'occuper les emprises maritimes par des constructions en matière définitive. Parce que en construisant en matière définitive, dans les emprises fixées par la loi, nous courons aussi le risque d'être envoyés par les eaux. Et moi je me dis, bon, l'eau avance parce qu'il y a... On repousse la mer dans certains pays et peut-être que nous, on écoute les effets secondaires ici. Parmi les solutions envisagées à long terme, il y a la construction d'une digue de protection le long de la côte qui pourrait efficacement contenir la colère de la mer. Déjà, nous avons fait établir des devis pour pouvoir qui ont été transmis à la haute hiérarchie pour que des moyens soient mobilisés à l'effet de construire une digue. Comme vous le savez, ça coûte assez cher. Mais déjà, les premiers devis ont été transmis à la haute hiérarchie. Mais déjà, pour lutter contre l'érosion côtière, nous avons aussi entamé des actions en luttant contre l'extraction du sable marin. Parce que de plus en plus, les gens creusent le sable marin et cela contribue à l'érosion côtière. Et nous allons continuer cette répression à travers la saisie systématique de tous les instruments d'extraction du sable marin. Mais nous allons continuer également la sensibilisation aussi de nos riverains pour que le sable marin, non seulement il contribue à l'érosion côtière, mais aussi il est impropre à la construction. Et toutes les constructions faites par le sable marin sont vouées aussi à une destruction rapide. À côté de la marée haute, il convient d'évoquer l'érosion progressive de la côte qui menace de couper la circulation sur la route nationale numéro 7 si rien n'est fait
au plus vite. Comme vous avez pu le constater, ici au niveau du lycée bilingue de Kribi, nous assistons à une avancée rapide de la mer vers le continent. Le phénomène des régions côtières est assez prononcé et le risque de rupture de la route nationale numéro 7 à cet endroit est assez élevé. Nous avons déjà entrepris des campagnes de sensibilisation des riverains qui extraient le sable marin à cet endroit. Nous avons interdit, nous avons pris des mesures même de répression, mais jusque-là, nous constatons qu'il y a encore des esprits retors qui refusent de respecter nos mesures de prévention et de lutte contre cette érosion marine et côtière qui est assez risquée, aussi bien pour les populations que pour même le maintien de la circulation sur cet axe névralgique de l'entrée de la ville de Kribi. Donc c'est le lieu pour nous ici de réitérer notre appel à lutter contre l'exploitation du sable de mer à cet endroit, mais également le stationnement des pirogues, parce que ici c'est un débarcadère. Et ce débarcadère aujourd'hui s'est retrouvé pratiquement sur la route nationale numéro 7. Et tout ce que cela comprend comme en termes de risques, en termes d'accident sur la voie publique, mais également de contribution à l'érosion de de la mer à cet endroit qui avance pratiquement sur la route nationale numéro 7. Donc nous voulons donc inviter nos populations riveraines à se déplacer de cet endroit pour aller vers d'autres débarcadères, notamment les pêcheurs, mais aussi sensibiliser une fois de plus les personnes qui continuent à extraire le sable à cet endroit parce qu'il est risqué. Nous avons déjà saisi le gouvernement à travers un rapport pour présenter la situation et nous espérons que dans bientôt des mesures urgentes vont être prises pour pouvoir trouver et mettre en place un dispositif de protection des berges de la mer à cet endroit. Les vagues sont rapides et violentes, elles emportent tout sur leur passage. Les campements des pêcheurs sont menacés. Les établissements de restauration et d'hébergement, pieds dans l'eau, sont sous la menace de l'effondrement à Kribi. La situation appelle la vigilance des touristes et tous les autres flâneurs.